Alors. Ah, je peux débloquer la soupe. Attendez, je vais mettre ces deux trucs-là. On va débloquer la soupe. Alors, il va me falloir quoi? Du lait, du beurre, une marmite. Je crois que j'ai oublié de payer là-bas. Je vais y aller. Oh non, oh non, il y a trop de clients qui attendent. Bon, la journée, elle passe pas. Déjà, ça, c'est bon à savoir. Hop, il faut que j'aille chercher le lait, le beurre. Oh là là, il y a tellement de monde qui attend. Merci, merci. Alors, je crois qu'il va me falloir. Attendez. Ça là. Et bienvenue, Titi. Merci pour ton follow. Ça fait plaisir. Je vais essayer de faire ça. Je galère un peu là. Je me suis mélangé les pinceaux depuis une journée. Mais bon. Comment vas-tu? Alors attendez, faut que je prenne ça comme ça. Là. Ensuite. Qu'est-ce qu'ils me disent? De mettre les 8 tranches de tomates. 2, 3, 4. Oh non! Ah merde, j'en ai mis 16! Non, on peut même pas les renlever. Je fais que des conneries. Que des conneries. J'en ai mis 16. Est-ce que je peux faire le double en quantité? Je sais pas. Aïe, aïe, aïe. En fait, une tomate, ça fait 4 tranches. Ça fait 4 tranches. Je me suis fait avoir. Je croyais que, en fait, ça comptait pour une tranche. Ça. Alors. Qu'est-ce qu'ils me disent? Il faut du lait. Non. Ça fait 20. Donc il faut que j'en mette par deux alors. Heureusement, j'en avais pris deux. Oh, merci pour le raid. Merci beaucoup. Bienvenue à tout le monde. Eh ben, ça va. Ça va, je me sens beaucoup moins sale d'un coup. Ce matin, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais en tout cas, merci, ça fait plaisir. Alors, donc normalement, là, c'est bon pour. Pour ça, on va le faire bouillir. Le lait, il bout pas? D'accord. Comment je fais pour mélanger? Ah, il faut le mélanger à travers une assiette creuse, en fait. C'est ça? Je crois que c'est ça, l'assiette creuse. Attends, on va mettre ça. Hop. Comment on fait? Oh, j'en ai mis trop! Bon, bah écoutez, je sais même pas si on peut le récupérer. Je crois que c'est bon, non, comme ça? Je sais pas ce que je fais. ça se trouve, c'est foireux. Ah, il faut mettre la tranche de persil. Ouais, la tranche de persil. Voilà. Eh ben écoutez, on verra bien. Ils vont me dire quoi du coup? Oh, c'est moche pour la chaleur. Bah ouais, j'ai pas servi à temps. Ok, je vais laisser ça comme ça. Du coup, maintenant, il faut que je fasse ça. On va mettre ça. Ah, je le fais un par un pour l'instant parce que sinon, je galère. Hop. Comme ça.
Ok, on va laisser en route. Ensuite, il va falloir que je fasse ça. Il va me falloir une tomate. Oh, j'ai pas préparé l'assiette. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. On va mettre ça là. Alors là, j'en suis où? Hop, je le retourne. Très bien. Ça, ce sera pour après. Je suis en panique. Ah non! Hop! Sors de là. Voilà. Alors. Ah, je sais pas trop si c'est comme ça qu'il faut que je fasse. S'il y a des conseils, n'hésitez pas parce que moi, je galère là. Attendez. Le piment. Alors, je crois que cette assiette, c'est bon. Oui, c'est bon. Ouf. Au moins une assiette qui est pas si mal. Je vais prendre ça pour. Il faut que je ferme quand même le frigo là. Là. On va mettre ça. Ça, je vais le ranger. Je vais récupérer un comme ça. Voilà. Et en avant pour la viande. J'en ai combien là? J'en ai trop. Voilà. Ok. Et après ça, j'ouvre. Ok, ça c'est bon. L'entrecôte. Les tomates. Et voilà. Ouf, c'est bon. Tout est prêt. Je m'en suis sortie. Je vais me préparer une assiette au cas où je dois en refaire. Voilà, une assiette comme ça, une assiette comme ça, et une assiette de soupe, même si je pense pas qu'il y en aura besoin d'assiette de soupe. Parce que quand même, j'en ai mis beaucoup là. Allez, c'est parti, on ouvre. Hein? Allez, allez, vous pouvez rentrer. Ah, oh, j'ai que deux tables. Il y a quelqu'un qui va devoir attendre. Qui va devoir attendre dehors. Je sais pas si ça va en tenir compte si je rajoute une table maintenant. Ou peut-être qu'ils peuvent s'asseoir sur la même table. Écoutez, on va rajouter une table. Voilà. Ah mais j'en ai déjà. J'en ai trois, j'en ai quatre. Ouais, ok, bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Alors ça va être la panique quand il va plus y avoir de un plat. Qu'il va falloir que je refasse. Ok monsieur, vous avez fini. Hop. Vous avez fini également. Et vous aussi. C'est bon, je vous ai vu, vous inquiétez pas. Les assiettes sont vides, donc je pense que c'est bon. Nickel. Allez, rentrez, n'hésitez pas. Peut-être que vous voulez un peu de soupe. Non, vous voulez un bœuf grillé, vous. Je vais me sortir un persil à côté de cette assiette-là. Et je vais m'en mettre deux au cas où. J'ai pas racheté de persil, j'espère qu'il n'y aura pas besoin de plus. Ok, vous avez fini. J'espère que c'était bon. Oh, il y a le. Le sol, il est sale. Qui c'est qui m'a acheté tous ces déchets par terre, là? Les gens, ils sont dégueulasses. Ok. Alors, elle est bonne, la soupe, ou pas? Ouais? Ok. Hop, hop, hop. Ah, je t'ai pas pris les sous, toi. Voilà. Elle a disparu l'assiette ou c'est moi qui l'ai reposée? C'est moi qui l'ai reposée. Il m'en reste combien là d'assiettes?
Oh, zéro. Vite, vite, vite. Hop. Hop. Qu'est-ce qui manque? Il manque, il manque, il manque, il manque le bœuf. Enfin, l'entrecôte. Hop. Non. Pas tant de tomates. Voilà. Ok. Entrecôte. Ah, pourquoi j'ai mon truc qui descend à chaque fois comme ça? Ah, vraiment, je sais pas gérer. Hop. Oui, je vais venir, je vais venir. Attendez, juste, je surveille mon entrecôte. Hop, de toute façon, je crois que je l'ai fait trop tard, en fait. J'aurais pas dû la faire. Ah, ça va être perdu. Bah, ou alors... Attendez. Hop. Voilà. On va faire comme ça. Il faut que je pense que j'ai mis de ce côté-là l'entrecôte que j'ai déjà préfait cuire. J'espère que ça fonctionnera. Allez, monsieur. Hop. 140. C'est qu'on est dans un resto gastronomique ici. Hop. Ça. Là. Et le dernier monsieur, il va prendre de la soupe, donc c'est bon. Heureusement que j'ai arrêté la cuisson avant. J'espère que ça va aller, que je pourrai le resservir demain quand même. Vous êtes prêts maintenant? J'attends votre invitation. Ouh là là là, oh là. Attendez, attendez. Vous dites que je suis prête, mais moi, je me sens pas spécialement prête, hein. Il va me falloir à nouveau du persil. Il va falloir que je range ce bazar-là. Et que je me reprenne un frigo. Ouais, parce que là, franchement, j'aurais pas assez, quoi. De place. La dernière assiette là-bas. Ok. J'ai bien envie de décaler, de remettre un frigo là. Pour l'instant. Voilà. Toi ici. C'est comme ça. Alors, ça coûte combien les frigos? D'ailleurs, c'est où les frigos? Dans les stations? Oui, c'est là. Ça, c'est quoi ça? Un mini congélateur, un petit congélateur. D'accord. Bah, 2000, 2000. Oh là là. Et si je m'en prends un mini, juste bah, pour bien me répartir les trucs, en fait. Pour l'instant, ce sera comme ça. Il faut que j'aille rechercher du persil, des pommes de terre. Là, je pense que j'ai assez pour faire les préparations pour demain. Il me manquera... Non, un poulet, c'est bon, j'en ai quatre. La marmite au frigo pour demain. J'espère que j'en aurai assez. Ensuite, là, tout est quasiment parti, hein. Il reste plus grand-chose cette fois. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Bon, là, je suis pas si mal. Bon, bah, c'est parti. Tout est propre, nickel. On ferme tout. Et en avant pour la prochaine journée. J'ai tellement hâte de pouvoir décorer mon resto et tout. Yes. Bœuf grillé, il a pris 4. Je sais pas ce que c'est, mais. Il a pris une note de 4 en tout cas. C'est cool. Du coup, les gens, ils vont me l'acheter plus cher. Bon, c'est normal, j'ai dépensé pas mal aujourd'hui, mais j'ai quand même bien gagné parce que si j'avais pas dépensé pour les meubles là que j'ai rajoutés, le frigo et tout ça, ben, j'aurais été largement au-dessus. Donc c'est cool.